Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour apprendre à emprunter un livre numérique sur le site de la MDSM. Une fois connecté sur le site de la médiathèque, cliquez sur le petit bouton en haut à droite de votre écran, puis tout le numérique et 24h sur 24. Ensuite, allez dans la section Livres et BD et cliquez sur le lien Comment emprunter un livre numérique. Vous arrivez sur une page de la MDSM. Ensuite, cliquez juste en dessous de Comment télécharger mon livre numérique pour pouvoir télécharger un livre avec une liseuse. Sur cette page, vous avez accès au tutoriel écrit sur comment télécharger un livre numérique sur liseuse. La première chose à faire est de créer un compte Adobe ID en cliquant sur ce lien. Ensuite, cliquez sur Créer un compte et suivez les instructions. Retenez bien l'adresse mail et le mot de passe utilisés, ils seront très importants pour la suite. Ensuite, vous devez aller télécharger Adobe Digital Edition. Pour cela, tapez Adobe Digital dans votre moteur de recherche, puis cliquez sur le premier lien. Ensuite, cliquez sur ce lien pour le télécharger sur Mac ou sur celui du dessous pour le télécharger sur Windows. Après l'avoir téléchargé, allez dans vos téléchargements et cliquez dessus. Ensuite, suivez les instructions du module d'installation. Une fois installé, ouvrez Adobe Digital Edition. Maintenant, vous allez devoir autoriser votre ordinateur à lire les livres empruntés. Pour cela, rien de très compliqué. Cliquez sur le bouton Aide en haut de votre écran, puis faites Autoriser l'ordinateur. Dans la case Adobe ID, entrez l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer un compte Adobe, puis entrez les mots de passe associés. Après ça, votre ordinateur est autorisé à lire des livres empruntés. Il est désormais temps de choisir un livre à emprunter. Pour cela, retournez sur le site internet des médiathèques de Cossenaglo. Puis allez dans tout le numérique et 24h sur 24. Ensuite, allez dans la section Livres et BD et vous cliquez sur la liste des livres disponibles. Ensuite, choisissez un livre qui vous plaît et cliquez sur Accéder à l'intégralité de la ressource. Une fois sur le site de la MDSM, cliquez sur Télécharger. Une fois téléchargé, allez dans vos téléchargements, faites un clic droit sur le fichier du livre et faites Ouvrir avec Adobe Digital Edition. Ça y est, le livre est enfin sur votre ordinateur. Maintenant, branchez votre liseuse à votre PC. Il va falloir l'autoriser à lire les livres. Pour cela, cliquez sur le petit engrenage à côté de votre liseuse et faites Autoriser le périphérique. Ensuite, allez dans tous les éléments, puis cliquez sur le livre emprunté et faites-le glisser sur le nom de votre liseuse. Désormais, le livre est disponible sur votre liseuse. Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres en simultané dans la limite de 10 par mois. La durée du prêt est de 28 jours. Passé ce délai, le fichier ne sera plus accessible. Il est possible de renouveler une fois votre prêt si le livre n'est pas réservé. Vous pouvez également effectuer des retours anticipés. Pour rendre un livre, il suffit de se rendre dans Adobe Digital Edition, de faire un clic droit dessus et de cliquer sur Restituer l'élément emprunté. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Au revoir!